Je suis la sœur de Musclore, la gardienne du palais du pouvoir. Lui, c'est Éclair, mon fidèle destrier. J'ai découvert un secret fabuleux le jour où j'ai brandi mon épée en disant « Par l'honneur du crâne ancestral !» Je détiens le pouvoir. Nous sommes peu nombreux à partager ce secret. Il y a entre autres Madame Raz et Serenia. Tous ensemble, nous luttons avec les rebelles pour chasser définitivement les forces diaboliques de Hordak. Oh, j'aime l'odeur d'une nouvelle arme. Comment vas-tu l'appeler? Le ballon maudit. Vivement que je puisse l'essayer contre les rebelles. Je donnerais cher pour voir la tête qu'ils feront quand ils découvriront l'efficacité de cette petite merveille. Eh bien, tant mieux. Ton vœu va être exaucé, tu vas pouvoir combattre avec moi. Non, merci, mais il vaut mieux que je reste par ici. Il faut que quelqu'un polisse les barreaux de la prison et... Quoi? Tu oses dire que tu ne veux pas venir avec moi? Bien sûr que si, au tout puissant Hordak. C'est mon vœu. C'est mon vœu le plus cher. Misérable larve, tu as failli briser mon porte-bonheur. Pardonne-moi. Ô suprême méchanceté. Hordak, je t'apporte de bonnes nouvelles. J'ai appris qu'une tempête prodigieuse éclatera cette nuit. Et c'est la nuit que tu attendais depuis longtemps. Les éclairs sillonneront le ciel et créeront les feux de la destruction. Bon, alors le moment est venu qu'on prépare le ballon maudit au plus vite. Mon heure de gloire est arrivée. Cette nuit, nous allons anéantir la forêt des Murmures. Regarde ce que tu m'as fait faire. Je te demande pardon, ô toute-puissante divinité. Oh non, grand maître, pas ça. J'ai toujours été un serviteur fidèle et loyal. Ce n'est que mon aspiro nucléaire, imbécile. Ah, tu m'as fait une de ces peurs pendant une seconde. J'ai bien cru que tu allais... faire ça. Il paraît que des Twiggets ont vu Hordak essayer une arme près de la forêt des Murmures. Laisse-le faire. Les arbres nous protègent bien. Il ne trouvera jamais notre camp. Moi, je trouve qu'on ne peut pas prendre ça à la légère. Hordak est capable de n'importe quoi. Oh, vous êtes là? Je vous cherche depuis une heure. Regardez ce que j'ai trouvé. C'est du pollen de... Hop! D'un buisson de gaudrioles, ça donne le fou rire. Pas maintenant, excuse-nous. Nous avons des problèmes sérieux à régler et vite. Bien, Hordak va... Hordak va... attaquer la forêt des Murmures. Il a une arme terrible. C'est monstrueux. Venez, il faut apprendre la mauvaise nouvelle aux autres.
vite et frappez pendant que l'orage est à son maximum. La destruction de la planète commencera quand j'abaisserai un malheureux levier. Avouez que c'est réjouissant. Heureusement, Hordak n'attaquera jamais par une tempête pareille. C'est magnifique, n'est-ce pas? Ça paraît si proche que je pourrais presque le toucher. Hé, Adora, flèche d'or, venez vite, Hordak nous attaque. L'énergie des éclairs et mon laser au canon verrait. C'est absolument fantastique. Et à ce rythme-là, j'aurais détruit la forêt des murmures bien plus vite que le temps de dire l'horrible Hordak est à la tête des Hordiaïdes. L'horrible Hordak est à la tête de. D'horrible. Silence misérable! Il met le feu aux arbres, ce monstre. Que pouvons-nous faire? Ça, rien. Il n'y a qu'une seule solution, c'est se sauver d'ici. Il n'en est pas question. Saint-Ilia, reviens! Oh, merci. Il vaut toujours mieux donner que recevoir. Alors je vais te faire un petit cadeau, rends-m'appelle. Saint-Ilia! Il n'y a pas de feu sans fumée, n'est-ce pas? Et on veut bien un peu de fumée. Je ne vois plus rien. Bien entendu, pauvre demeuré, nous avons été touchés par une flèche de fumée. Ça devrait protéger notre fuite. Par l'honneur du crâne ancestral! Je détiens le pouvoir! Hordak m'a renvoyé mon pouvoir. Ne t'inquiète pas, tu ne risques rien. Et maintenant, si on se sauvait? Il faut absolument l'arrêter. Regardez, c'est Shira. Alors, Hordak, on n'ose pas s'attaquer à quelqu'un de sa taille. Elle surcharge les circuits. Tout va exploser. Mon ballon maudit est perdu. Shira! Nous avons peut-être perdu le ballon, mais le combat a continué. Flash d'or, attention! Shira! Adora, pourquoi tu n'es pas Shira? C'est le choc qui a dû me transformer. Est-ce que j'ai arrêté Hordak? Tu as détruit cette machine de malheur, mais il a capturé Flèche d'or. Oh non! Nous allons avoir besoin de Shira pour essayer de le sauver. Par l'honneur du crâne ancestral. Par l'honneur du crâne ancestral. Qu'est-ce qui se passe? Je ne me transforme pas? Non, Adora, regarde la pierre dans l'épée.
Oh, elle est fêlée. Alors je ne pourrai plus jamais redevenir chère. Sans cette pierre, mon épée n'a aucun pouvoir. Je ne peux pas devenir Shera. On ne peut plus lutter, c'est fini. Il faut trouver un moyen de sauver Flèche d'Or et vite. Tiens, voilà Saint-Ilia. Je vais escalader. Personne n'a jamais pu escalader la montagne du ciel. Nous allons voir ça. Et si tu arrives vraiment au sommet de la montagne, sans le pouvoir de ton épée, tu ne peux pas entrer dans le château. Je m'occuperai de ce problème une fois là-haut. Et ne sois pas toujours aussi pessimiste. Je suppose qu'en ce moment, Flèche d'Or est enfermée dans une monstrueuse cellule hordienne. Oh ! Tu dois compter sur nous. Si jamais tu tombes, je te tiendrai compagnie pendant toute ta chute. Shira. Si je sors d'ici, je te jure que tu me le paieras. Calme-toi, et tu ferais bien de t'habituer à cette cage. C'est ici que tu vas vivre. Tu n'es pas prêt d'en sortir, mon pauvre ami. Je crois qu'il vaut mieux renoncer. Tu ne pourras jamais grimper ça, voyons. Je t'ai dit de ne pas être si pessimiste. Allez. Ah, Dora. Tout va bien. Pour l'instant, pas la peine de traîner par ici. Mon épée. Oh, merci, Sirenia. Sans toi, c'était fini. Oh ben, entre amis, il faut bien s'entraider. Et maintenant, essayons d'entrer dans ce château. Je te demande, ô sage d'entre les sages, d'ouvrir les portes du château. Toi qui viens chercher les conseils de la sagesse, entre! Je suis venu te voir. Je sais. Il te faut chercher l'aide des premiers. Ce sont les esprits de ceux qui ont découvert Etheria. Eux seuls peuvent te redonner le pouvoir. Et où peut-on les trouver? Tu dois chercher leur royaume souterrain. Pour y parvenir, tu dois franchir bon nombre d'obstacles. Tu commenceras par entrer dans la mâchoire des ténèbres. J'ai une petite course à faire, alors je me sauve. J'espère que tu n'as pas peur, Sirenia. De moi, peur? Non, pas du tout, non. Je suis terrifiée. Ces escaliers sont ta première épreuve. Et ils conduisent au monde souterrain d'Etheria. Ça ne me paraît pas bien compliqué. Ne te fie jamais aux apparences. Regarde au-dessus de toi. Dépêche-toi, Sirenia. On n'a pas beaucoup de temps à perdre. C'est exactement ce qu'il nous faut. Saute sur mon épaule. On va faire un peu de sport. Mais je n'aime pas le sport. Attention, accroche-toi, c'est parti! Adora, on n'a pas un petit problème. Baisse-toi! Il faut qu'on descende plus vite!
durer, ça va durer longtemps. Jusqu'au moment où on va percuter le mur devant nous. Pas mécontent que ce soit fini. Mais ce n'est pas encore fini. Non, mais ce n'est pas vrai. Viens, suis-moi. Là-dedans, vite! Cette fois, ça a été juste, hein? Oui, et maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait? Tu vas affronter le labyrinthe sans fin. Et trouver la grotte de l'arc-en-ciel. Et tu découvriras la caverne du feu. Maintenant, je dois te laisser. Adieu et merci. À bientôt. On va essayer de trouver le moyen de sortir d'ici. Et ce n'est pas vrai. Tu n'abandonneras donc jamais. Jamais. Il faut davantage que des barreaux pour me retenir. Ces barreaux sont un scratch de mammillion, mon pauvre fleur d'or. Le métal le plus résistant de toute la galaxie. Je sortirai d'ici, rien ne m'en empêchera. Je reconnais que j'avais complètement tort. C'est dur de l'avouer. Tu as presque toujours tort. Tiens, regarde, là c'est le secteur interdit. Fais attention, Sirenia. J'ai l'impression que ça ne va pas être aussi facile qu'on le croit. Ah, quelquefois, tu as des réflexions presque sensées. Bien joué, Adora. Tu as atteint la caverne du feu, le refuge des premiers. Tu dois entrer seul. Mais tu ne peux pas aller là-dedans, Adora. C'est comme si tu entrais dans un four. Je suis bienvenue jusqu'ici. Je ne vais tout de même pas m'arrêter. La bienvenue, Adora. Nous sommes les premiers. Tu es venu chercher notre aide pour pouvoir redevenir Shera. Tu as su escalader la montagne du ciel. Tu as su utiliser ton bouclier pour échapper à la boue de la mort. Tu as su t'évader de la grotte. Tu as su éviter la chute de pierre. Et tu as su faire preuve de courage pour entrer dans la caverne du feu. Et tu as fait tout ça pour un ami. Est-ce que ce ne sont pas les qualités de Shera? Essaie ton épée, Adora. Par l'honneur du crâne ancestral! Fais-toi une raison, rebelle. Personne n'a encore réussi à s'évader. Ce sont mes amis qui m'aideront à m'évader. Même Shera ne pourrait pas traverser le champ de force qui entoure la prison de la zone de la frayeur. Il va falloir travailler l'atterrissage. Shera! Empare-toi d'elle. Soldats à l'attaque! Il en vient de partout! Oh, ne vous faites pas trop de mal en voulant m'attraper! C'est le seul moyen que tu aies trouvé pour attirer les filles à toi! Très amusant! Mais cette fois, je regrette, c'est moi qui rirai le dernier! Entièrement d'accord avec toi! Un peu de pollen du buisson de la gaudriole? Il est temps.
temps de te sortir de là. Merci, Shira. Tu es vraiment une amie fantastique. Entre amis, il faut s'entraider. Viens, pas la peine de moisir ici. Un de ces jours, tas de ferraille. On ne peut pas dire qu'il soit mauvais perdant. Ça le rendrait même de très bonne humeur. On me le paierait très cher. Salut tout le monde! Vous avez vu où j'étais cachée aujourd'hui? Sinon, voilà une autre chance. Vous me voyez? Eh oui, je suis là, bravo! Il faut savoir s'accrocher et se concentrer. C'est le secret de la réussite dans le travail. Vous avez vu comment Adora s'est accrochée pour délivrer son amie? Eh bien, faites comme elle dans tout ce que vous essayerez dans la vie. Sur ce, je vous laisse travailler vos devoirs et accrochez-vous bien surtout. On se revoit au prochain épisode si vous êtes d'accord. L'amour et sa gloire, sa force et son pouvoir.